Alors les gars, vous vous rappelez hein, ce qu'on avait dit l'autre jour, on va pas comparer aux pirates qu'on avait flingués là. Oh, qu'est-ce qu'on leur a mis quoi. Une sacrée tartine. Hein. Ouais. Ah putain, on leur en a mis plein la dent là. Hein. Bien, c'était bien fait pour eux. Elles l'ont mangé. Nous, mais moi pour eux. Il ah, y en a un qui bon, nous traîne bonsoir, dessous. messieurs. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie des Dark Red, messieurs? Comment vous savez ça, vous? Vous êtes qui? Ah, moi je suis journaliste à la Gazette d'Area 18. Ah. J'entendais un petit peu votre conversation là et voilà, je me posais la question de savoir si vous étiez des Dark Red. Ah, intéressant ça. Jimmy, tu me remets la tournée là. Ouais. Et alors? Bah, c'est qu'on entend pas mal parler de vous suite à l'événement de Voilard sur l'avant-poste Area 048, pardon. Ah. Vous avez quelque chose à me dire là-dessus? Oui, bon, c'était un caterpillar pirate qui tentait de vendre des armes à d'autres pirates. Donc une menace réelle pour notre système. Nous avons été dans l'obligation de l'abattre. Donc nous lui avons envoyé un missile T9. La déflagration a été un immense. Un missile T9 directement? Et oui, tout à fait. C'est un gros vaisseau. Malheureusement, les civils étaient sur place. Certains ont été blessés et un a été tué, malheureusement. Dommage pour lui. Mais vous savez, dans cette situation, il y a toujours forcément des dommages collatéraux. C'est regrettable, mais nécessaire pour notre survie. Ouais, j'ai discuté avec 2-3 médecins et infirmières, là, et effectivement, oui, j'ai eu vent de ça. Ouais. Mais ça fait très violent comme méthode, quand même, mine de rien. Ah bon, et vous croyez quoi, que les pirates, ils sont pas violents quand ils arraisonnent d'honnêtes mineurs, d'honnêtes traders vous croyez qu'on fait ça par plaisir? On rend leur monnaie de leur pièce à ces gens-là? Vous croyez quoi? Qu'est-ce qui vous défend? Qu'est-ce qui défend vos petites fesses là quand vous vous faites attaquer? Vous croyez que c'est Microtech Security, Hearthstone Security, ou même les Blackjack là, qui circulent ici en ville, qu'on paye une fortune et qui foutent rien? Non, nous on intervient. Bah ouais, je pensais que vous étiez payé par ces gens-là, mais du coup, apparemment, vous avez pas l'air d'être, ça a pas l'air d'être le cas. Et alors, du coup, qui vous finance? Eh bien, en fait, on se finance nous-mêmes. Hein. On se finance avec notre propre travail, de nos propres deniers. Chacun, vous voyez, tous les gars qui sont ici, là, hein, bah, tout le monde bosse, tout le monde a une vie, tout le monde est mineur, tout le monde est trader, tout le monde a son petit boulot. Et on s'est cotisé pour s'équiper, pour faire face à cette menace, puisque le gouvernement et les sociétés privées ne font rien. On finance tout nous-mêmes. Et puis, je veux vous dire, on ne va pas s'en cacher. Hein. Quand on a l'occasion de se servir dans les matériels pirates qu'on a capturés, bah, soit on le revend, soit on l'utilise pour nous, tout simplement. Ok. Et c'est vrai que la population semble en partie vous soutenir, mais de quoi ça vient pour vous? Bah, d'après vous? Des gens qui se font attaquer sans arrêt, surtout du côté de Crusader, et alors je parle même pas d'Hearthstone. Quand on vient à leur secours, vous croyez quoi? Ça passe dans les infos, même vous, sur la gazette Aira 18, vous êtes au courant de ça? Oui. Ah, voilà. Donc automatiquement, oui, auprès de certaines populations, on est populaire. Bon, d'autres ne nous considèrent ni plus ni moins que des pirates améliorés, ou des sortes de Robin des Bois. On n'est pas ça, hein. On est juste d'honnêtes citoyens, on s'est réunis sous une seule bannière pour faire face à la piraterie, et pas que, hein. Tout ce qui est terroriste, même les vandoules, hein. On sait très bien que les vandoules ça reste encore une menace, hein. On attaque tout ça, hein. Et puis en plus on a tous un point commun, on est tous des citoyens respectables de l'Empire, on aime l'Empire, mais l'Empire est laxiste, donc des fois il faut le protéger de lui-même, de son laxisme, donc on intervient. Ce que fait pas l'Empire, bah nous on le fait. Et on n'a pas peur de le faire. Ok, mais alors ça nécessite quand même beaucoup de personnel. Vous êtes nombreux, vous recrutez? Comment ça se passe? Parce que là, vous êtes quatre. Oui, on est quatre. Bah, on revient d'une petite mission tranquille. On avait fait faire une petite patrouille sur Lyria. On est quelques-uns. Mais bien sûr, si de plus en plus de monde nous rejoint, on ne sera que plus efficace, hein, bien sûr. Donc on peut dire, oui, clairement, qu'on recrute, hein, et on recrute autant qu'on peut. Hein. Mais bon, il faut trouver des citoyens suffisamment honnêtes et courageux pour faire ça. Hein. C'est pas évident.
Oui, parce que vous avez eu vent, qui est une grosse organisation de pirates, les Disorder, je crois, qui s'implantent là, dans notre système. Là. Oui, alors on a eu affaire à eux à multiples reprises pour l'instant. Ils se sont fait passer pour des voyageurs qui avaient besoin d'un transport lors de notre première rencontre, pour mieux nous attaquer par surprise. Et d'ailleurs, j'en suis le seul survivant. Eh bien, c'est très simple. Nous allons réagir à la menace. Ouais, mais comment allez-vous réagir à cette menace si importante? Eh bien, nous allons nous défendre ainsi que le système. C'est le but même de notre organisation, et servir les honnêtes citoyens du système contre tout acte de piraterie, et pas que. Et lors de notre prochaine rencontre, ça se passera très mal pour eux, je peux vous le garantir. Et vous croyez que votre action suffira? Oui, bien évidemment. C'est une blague. On va pas se laisser faire, quand même. Les personnes qui se font attaquer, on en parlait tout à l'heure, ces personnes-là comptent sur d'autres personnes qui viennent à leur secours, qui les aident. Si personne ne bouge, si personne ne va les aider, eh bien, c'est aux particuliers comme nous, les personnes engagées, qui sont là pour les défendre. D'accord. Et je vois que vous portez votre casque. Mais me vient une question. Dark Red, armure, rouge, pourquoi ce type d'armure et pas une autre couleur? Alors, c'est assez simple, en fait. On a perdu des camarades qui étaient avec nous au tout début. On s'appelait pas les Dark Red, hein. On était un groupe voilà, avec des tenues de différentes couleurs. Et un jour, on est venu au secours d'un collègue, trop tard. On l'a trouvé, sa tenue, son armure ensanglantée. Donc déjà, dans un premier temps, c'est en hommage à son sacrifice qu'on porte le rouge sang. Et le deuxième, c'est un message aussi aux pirates. Rouge sang, c'est ce qui risque de leur arriver. Donc c'est à double sens, l'armure. Hein. On fera dans le sanglant, de toute façon. Donc d'accord, on est sanglant, okay. Et on honore aussi nos morts avec cette armure et la couleur qui va avec. Est-ce qu'on a d'accord. répondu à toutes vos questions, monsieur? Oui, monsieur, oui. Et je vous remercie de l'avoir fait. Je vais écrire un petit papier sur vous. Oui. Alors, pour en revenir à votre question, là, oui, on est au courant de l'organisation Disorder. Hein. On est au courant que c'est une organisation d'élite. On pense qu'ils ont même des relations, d'après ce que j'ai pu apprendre. Oui. D'après ce que j'ai pu... Ce que j'ai pu apprendre, ils auraient des liens avec les Ninetales, éventuellement. On a même entendu parler, alors cela par les canaux non officiels de l'UE, qu'ils auraient aussi des contacts avec les Overlords dans le système Pyro. C'est un groupe qui est en train de s'implanter dans Stanton depuis un bon moment déjà. On en a entendu parler, on a même eu des pertes, hein. On a perdu un Karak récemment. On est tombé dans une embuscade, on avait négligé cette menace. Bon, maintenant, on les prend beaucoup plus au sérieux. D'ailleurs, ils sont très pris au sérieux du côté de Terra. Il paraît qu'ils ont réussi à voler un Hammerhead de l'UE, hein, c'est pas rien. Oh. Autrement, on est aussi au courant qu'il y a d'autres petites organisations pirates de ci, de là. On a fait un raid récemment sur Hearthstone, on leur a infligé quelques pertes, nous aussi. On est assez fiers de ce qu'on a fait d'ailleurs à ce moment-là. On a détruit un Idris. Donc voilà. On est capable aussi, on a une certaine force de frappe, on est capable de faire des dégâts quand on est préparé. Bon, c'est vrai qu'avec Disorder, on n'était pas du tout préparé à ça, on s'y attendait pas. Eux nous ont repérés, je ne sais pas comment. Apparemment, ils utilisent une technologie qu'on appelle l'Internet, qui était utilisée sur Terre au 21e siècle. Une technologie qui nous est complètement inconnue et qu'eux utilisent. Ils utilisent même une vieille langue qu'on n'utilise plus de nos jours, le francophone ou le français, je ne sais plus exactement. Enfin bon, des trucs comme ça, vous voyez, vous imaginez un peu. Oui. Pour nous et comme pour l'UE, c'est un vrai mystère hein, pour les choper. Enfin bon, je vous laisse imaginer, hein, c'est pas les premiers venus. Hein. En tout cas,
J'espère qu'on a répondu à vos questions. On aura bientôt. Vous entendrez parler de nous de toute façon. Hein. Mais écoutez, on est plutôt efficace dans notre travail. Oui. Je vais même vous laisser ma carte si vous le souhaitez. Oui. Moi, je suis. Voilà, si vous avez aussi des informations à me communiquer pour la Gazette. Oui, bien sûr. C'est sympathique de votre part. Oui, oui. Et puis de montrer un petit peu vos exploits face à ces pirates, et notamment les Disorder. Oui, mais autrement, vous pouvez contacter à la tour Ionors, vous demandez Jimmy à l'accueil, il nous connaît, si vous cherchez à nous contacter. Ou alors vous demandez à Jeffrey, ici au bar derrière, il nous connaît aussi, il pourra nous contacter si vous voulez avoir des infos. Voilà. D'accord, bah, écoutez messieurs, merci beaucoup. Je vous laisse à vos boissons. Oui, oui. On va profiter un peu de la soirée. Débriefing. Très bien. Jeffrey, tu mettras une tournée pour ces messieurs de ma part, s'il te plaît. C'est très gentil, ça. C'est très gentil à vous, merci. Je vous en prie, messieurs. Allez, bonne soirée à vous. Merci, ouais. Pareillement. Au revoir. Il a l'air cool comme mec, hein. Ouais, mais je me méfie toujours un peu des journalistes. Ouais, c'est jamais ce qu'ils écrivent. Ouais, moi aussi, ouais. Moi aussi. Il y a bien des fois quelques exceptions. Ouais. Celui-là le sera peut-être. Vous avez repéré le mec en bout de comptoir avec la casquette bleue là-bas? Ouais. Il a l'air suspect, lui. Non, en fait, c'est un de nos indicateurs. J'avais oublié de vous dire. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de vous dire. À Microtech, on a repéré le fameux gars qu'on cherchait dans le bunker là. Ah, très bonne nouvelle ça. Et il s'est barré, il est sur Calliope. On va aller s'occuper de son cas. Bah c'est parti. Hein. Par contre, Benta, t'évites de l'éventrer. Juste une balle dans la tête, ça suffira. Je saurai me contenir, ne t'inquiète pas. Ouais. Bon, on va pas trop parler ici parce qu'il y a peut-être des oreilles indiscrètes. Allez, on se barre. Sûrement. Même. Ah, tiens, un mec de Blackjack Security, hein. Feignasse. Hein. Faut te rien de la journée quand même. Hein. Ouais. Ils sont payés des blindes. Ah, au fait, les gars, j'avais oublié de vous dire, je ne l'ai pas dit devant le journaliste, mais ça y est, on a reçu les attritions, c'est confirmé. Ah. Constantine Hurston a bien voulu nous filer une quinzaine d'attritions taille 5. Je pense ça qu'on va piquer, bien ça. Ouais, ça va piquer. Allez, ah, c'est bonne on se disperse, on se fait pas repérer. Un journaliste. Ben voyons. C'était plutôt un advocacy, le gars, oui. Il croyait que j'allais gober ça quand même. Franchement, les advocaties n'ont qu'à mieux faire leur boulot.